Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une séance de sophronisation. Je rappelle qu'une séance de sophrologie se divise en deux parties. Il y a une première partie avec des exercices de relâchement musculaire et une deuxième partie que l'on appelle la sophronisation, qui est cet espace entre la veille et le sommeil, cet espace de conscience modifiée. Dans lequel on atteint une relaxation et un relâchement musculaire qui nous permet d'accéder au subconscient. Donc, on va aujourd'hui faire cette séance que l'on appelle une sophronisation du déplacement du négatif. Ça veut dire que je vais vous apprendre à relâcher dans le corps les tensions musculaires. Respirer, c'est-à-dire on va se mettre dans cet état de relaxation. Alors, on va d'abord faire cette relaxation et ensuite on va contracter le corps. Je vous indiquerai comment on fait au fur et à mesure. On va contracter le corps en visualisant les tensions qui sont positionnées dans ces parties du corps et on va, à l'expire, les relâcher. Et vous verrez le bien-être que vous aurez ensuite. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle, on se met dans la position la plus confortable qui soit. On évite d'être allongé parce qu'on risque de s'endormir. Bon, après, le subconscient enregistre, mais c'est quand même mieux si on est assis et conscient tout le long de l'exercice. Je rappelle également que si le mental intervient, vous enquiquinez en vous parlant de ce que vous allez faire, de ce qu'on vous a fait, de ce qu'on vous a dit, de ce qui se passe actuellement. Vous laissez faire le mental quand vous en apercevez, vous revenez dans l'exercice sans culpabiliser, sans vous dire mon Dieu, je suis pas arrivée, j'étais pas dans l'exercice, blablabla. On se remet dans l'inspire, dans l'expire, dans l'exercice, si on refait, et si ça le fait plusieurs fois, ça le fait plusieurs fois, il n'y a aucun souci avec ça. On ne prête pas attention au mental. Allez, c'est parti. On s'installe, on ferme les yeux, on se met dans l'inspire et dans l'expire. On visualise la pièce où on se trouve, l'endroit où on se trouve dans la pièce. On prend conscience de chacun des points d'appui de notre corps, notre dos, donc sur le dossier, sur un mur, nos fesses, sur un coussin, sur un fauteuil, le positionnement de nos bras, de nos mains. Et on inspire et on expire profondément, on a une respiration naturelle. Et on va imaginer, visualiser une petite goutte de détente qui vient se poser sur le sommet du crâne. Et cette goutte de détente va venir répandre un relâchement musculaire du cuir chevelu. Tout le cuir chevelu, jusque derrière la tête. Tous les petits muscles se relâchent. Et on va laisser cette goutte de détente se descendre dans le front. On visualise les petites rides du front s'effacer, s'estomper sous l'effet de la détente. L'écartement entre les sourcils se relâche. Et on laisse la détente aller dans nos yeux, que l'on visualise au clos dans leurs orbites. Et on laisse cette détente descendre dans les pommettes, les tempes, les joues, la mâchoire qui peut s'entrouvrir sous l'effet de la détente. On visualise notre langue dans la bouche. Peut-être que la bouche s'entrouvre également. On est juste dans l'inspire et l'expire. Et on prend conscience de cet inspire et cet expire. Avec l'air frais qui rentre dans nos narines, il y a l'expire un peu plus chaud qui en ressort. Et on prend conscience que notre visage, notre tête, est détendu, relâché. Toujours dans l'inspire et l'expire, je vais laisser cette détente
Elle est dans la nuque. Les trapèzes. Les épaules. Les bras. Les coudes. Mes avant-bras. Mes poignets. La paume de mes mains. Le dessus de mes mains. Et chacun de mes doigts. Et dans l'inspire et l'expire, je prends conscience que mes bras se relâchent, se détendent. Et toujours dans l'inspire et l'expire, je prends conscience que mon visage, ma tête et mes bras sont relâchés, parfaitement calmes et détendus. Et je vais laisser cette détente se propager dans ma nuque, dans mon cou. Et elle va glisser tout le long de ma colonne vertébrale, jusqu'au coccyx. Et sous l'effet de cette détente, chacune de mes vertèbres se pose les unes sur les autres. Jusque dans mes lombaires. Et je vais laisser cette détente envahir chaque muscle de mon dos, tous les petits muscles, les omoplates qui à chaque inspire montent et à chaque expire redescendent. Et tous les petits muscles de mon dos qui se relâchent. Jusque dans mes reins, jusque dans mes lombaires. Et je vais laisser cette détente envahir tout mon dos. Et dans l'inspire et l'expire, je vais prendre conscience que mon visage, ma tête, mes bras et mon dos sont parfaitement détendus et relâchés. Et à chaque inspire et chaque expire, mon corps se relâche, se détend, pour rentrer dans ce calme et cette sérénité. Juste dans l'inspire et l'expire. Et je vais laisser cette détente glisser dans ma gorge, dans ma poitrine, dans mon ventre. Je vais visualiser mes organes qui fonctionnent tranquillement, sereinement. Mon cœur qui bat doucement, mon foie, mon estomac, mes intestins. Tout est calme, tout est serein. Tout se pose dans cette détente. Je suis juste dans l'inspire et l'expire. À chaque inspire, ma poitrine se soulève. Et à chaque expire, elle redescend. Et dans l'inspire et l'expire, sereinement, prends conscience que tout mon ventre, tout le devant de mon corps est calme et détendu. Tout comme mon visage, ma tête, mes bras, mon dos et le devant de mon corps. Se pose dans ce calme, dans cette sérénité, à chaque inspire et chaque expire, je vais de plus en plus profondément dans cette détente.
et je vais laisser cette détente se propager dans mon bas-ventre, mes fesses, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles, le dessus de mon pied, le dessous de mon pied, ma voûte plantaire, mes talons et chacun de mes orteils. Et dans cet inspire et cet expire, je vais prendre conscience. Je prends conscience que mes jambes se relâchent, se détendent. Juste dans l'inspire et l'expire. Et j'observe mon visage, ma tête, mon cou, mes bras, mon dos, le devant de mon corps et mes jambes. Tout mon corps est calme et détendu, serein. Je suis juste dans l'inspire et l'expire. Tout est posé en moi. Je suis juste dans l'inspire et l'expire. Et dans cet inspire et cet expire, à mon signal, on va contracter tout l'ensemble du corps. Le visage, la tête, le tronc, le buste et les jambes. On va contracter et à l'expire, on relâchera toutes les tensions du corps. On va y aller, on inspire profondément. On bloque la respiration et on se contracte. On serre les bras, les mains, le visage. On fait une grimace, tout est serré. On contracte, on contracte, on contracte. Et à l'expire, on relâche. Et on revient dans l'inspire et l'expire. Dans ce calme, dans cette sérénité. On observe les tensions se libérer, se relâcher. Et dans l'inspire et l'expire, on va faire la même chose à mon signal. Uniquement avec le visage et la tête. Et on va imaginer toutes nos tensions, nos soucis, nos tracas, se concentrer et à l'expire, on va tout dégager. On y va, on inspire profondément, on bloque la respiration et on ferme les yeux, on fait une grimace, on serre, on contracte tout le visage, on imagine toutes nos tensions dans la tête. Et à l'expire, on relâche. Et on laisse les tensions se libérer, le visage se décontracter. Et on observe ces tensions, ces soucis se libérer. Dans l'inspire et l'expire, on va faire la même chose à mon signal avec les bras. On va imaginer, visualiser toutes les tensions que l'on a dans les bras. Tout ce qui se positionne, les contractures musculaires. Et à l'expire, on va les relâcher. On inspire, on bloque la respiration et on serre les poings, les bras uniquement, pas le visage. Uniquement les bras, il n'y a que les bras qui se contractent, respiration bloquée, on visualise toutes nos tensions et à l'expire, on relâche. Et on observe. Nos bras se relâchent. À chaque inspire et chaque expire,
Le corps se relâche, se détend de plus en plus profondément. On sent les tensions se libérer. Et on ne porte aucun jugement. On laisse faire. En allant à mon signal, dans l'inspire et l'expire, on va faire la même chose avec le buste. On va contracter uniquement le buste. On y va, on inspire profondément. Et on contracte tout le haut du corps, les abdos, le ventre, la poitrine, les dos, le dos, les muscles du dos. Et on a le visage, les bras, le reste du corps qui est détendu. Et on expire. On relâche. Et on observe le calme, la sérénité. Tout ce corps qui va de plus en plus profondément dans la détente, dans le relâchement, la relaxation. Toutes les tensions se libèrent. On est juste dans l'inspire, l'expire. Et dans l'inspire, à mon signal, on va faire la même chose avec les jambes. Et uniquement les jambes. On y va, on inspire. Et on contracte les jambes. Uniquement les jambes, on laisse le visage étendu, on contracte toutes les tensions que l'on a dans les jambes, les genoux, les mollets, les cuisses, les pieds, tout, on contracte tout, tout en laissant le visage, les bras, le haut du corps détendu. Et on expire, on relâche toutes les tensions. Et on relâche. Et dans l'inspire et l'expire, on observe. Se passe. On sent le corps se relâcher, se détendre. À chaque inspire et chaque expire, on observe les tensions se libérer. Peut-être que des tensions surviennent, des émotions, on laisse faire, on laisse passer. On accueille cette détente, ce relâchement, cette libération des tensions. On est calme et détendu. Et à mon signal, on va faire une dernière fois une contraction de tout le corps. On va inspirer profondément. Et on va contracter tout le corps pour se libérer des dernières tensions à l'expire. On y va, on inspire. On contracte tout le corps. Les jambes, le visage, on serre le visage. On fait une grimace, les poings serrés. Tout est contracté, on contracte tous les abdos. Tout est contracté. Et à l'expire, on relâche. Et on sent toutes les tensions se libérer. Toutes les tensions se relâchent. Et on est dans cet inspire et cet expire. Calme et serein. Et on accueille cet espace de détente. On accueille cette sérénité. On est dans l'inspire et l'expire. Et on prend conscience de notre capacité à se détendre. On prend conscience de notre capacité à être calme et détendu. On a tout à l'intérieur de nous. Il suffit de réactiver le calme et la sérénité, notre vraie nature. On est dans l'inspire et l'expire. Et tout en prenant conscience
de ce calme intérieur, de cette sérénité. Tranquillement, on va remettre notre corps en mouvement. On va inspirer et expirer profondément. Et on va petit à petit remettre le corps en mouvement, en commençant peut-être par les pieds, les bras, les mains, tout en ne perdant pas de vue et notre attention sur le fait qu'on a été dans cette détente, dans ce relâchement, et que ça n'appartient qu'à nous. Je vous ai juste aiguillé, mais vous pouvez très bien le faire tout seul, tranquillement, sereinement. On s'étire, et quand c'est bon pour vous, vous ouvrez les yeux, et vous revenez à l'espace où vous êtes. Et j'espère que ce petit temps de pause, ça vous a permis de libérer vos tensions. Et n'oubliez pas que tout ça, c'est à l'intérieur, c'est dans notre cœur, et qu'on a cet accès à la sérénité et au calme. C'est notre mental qui nous empêche d'y accéder. Et donc prendre ce petit temps de pause le matin, la journée prend une autre dimension. Je vous souhaite une belle journée et restez chez vous, soignez-vous bien.